On est arrivé. Allô, la foreuse de là. Je vous explique qu'il est 2h23 du matin là. On va chercher à manger. Exactement. Mais en fait, enfin, j'ai peur. J'ai peur. Il y a grave des bêtes. Les gens ils nous klaxonnent et tout. T'es fou. J'ai peur à la mort. Mais ils traînent pas par terre. Sympa. Il fait bon en tout cas. Non, ils traînent pas. Il y en a qui l'avaient deviné, mais du coup, on est à Bali. On est à Bali. Et il fait super chaud. C'est humide à la mort. J'ai l'impression que je ne me suis pas lavée depuis un mois et demi. Le voyage était très long. Très long. J'ai jamais fait un voyage aussi long. Sur ma vie. C'est abusé. Mais bon, on est arrivé à bon port. C'est sympa. C'est très local, hein, attendez. Pour l'instant, c'est... Voilà. Là, on marche. On a notre hôtel qui est par là-bas. On va s'acheter à manger et voilà quoi, on crève la faim. Hi! Thank you, you too! Hey, ils sont gentils ici les mecs. J'ai failli tomber. Tout le monde klaxonne par pitié. J'ai peur! Hi! Hey! Non, pourquoi ils freinent, frère? J'ai peur. Ah, ok. Je suis une tapette, moi, je t'explique. T'es avec quelqu'un qui se bagarre. C'est vrai, moi aussi je me bagarre, mais j'ai pas envie. Je suis pas là pour ça. C'est le principe. Oh my god. Bon, on est reparti pour de nouvelles aventures. Là, on va manger. Bon, on va chercher un endroit où manger. Notre rue, elle est hyper animée, elle est hyper passante. Et vu qu'hier on est arrivé à 2h du matin, bah t'as compris, genre il n'y avait rien. Bref, du coup là on va faire un tour. Et aujourd'hui j'ai passé ma journée à dormir. Hey. On s'est couché déjà à 6h du matin avec le décalage horaire. Couché à 6h du matin, réveil à 9h20 pour aller prendre le petit-déj. Parce que même si on est fatigué, on doit prendre le petit-déj. Moi il n'est pas question que je ne prenne pas le petit-déj. Et après moi j'ai dormi de 11h à 17h30, 18h. J'ai passé la journée enfermée dans la chambre à dormir parce qu'il fallait absolument que je me repose. Voilà, et notre rue elle est grave agitée, j'aime trop. Très sympa. Regardez, je vous montre un petit peu notre quartier. C'est une dinguerie, il s'est mis à pleuvoir en 2 secondes et en plus il pleut fort. Je comprends pas. Il y a 2 minutes on marchait tranquillement. J'ai trouvé une fleur par terre. J'ai ramassé. Elle en veut une aussi. Dès que j'en trouve une par terre, je lui prends. Ah, il s'est pris du fish and chips avec le poisson qui est pêché aujourd'hui. C'est pas des croustibades. Hein. Sans la différence. Moi de base j'aime pas le poisson pané en France. Ça pas bon. Hein? Le poisson pané en France, moi j'aime pas. Je peux te prendre le dernier bout? Ça plaisir. Je vais goûter de la crevette à basma, je me lave les mains. Ils ont ramené un petit bol pour se laver les mains. Je sais même pas si on va m'entendre. Là. Au pire, tu rajouteras le dans le vidéo. En plus, je voulais leur dire, pour les nettoyer avant. Les décortiquer. J'aime pas ça, hein. Je déteste. Journée, je crois que vous avez pas compris. Je sais pas si je vous ai déjà raconté ma journée d'aujourd'hui, mais en gros, on est arrivé à l'hôtel vers 2h du matin.
on est parti se chercher à manger. On s'est mis au lit vers 4h du matin. On a dormi vers 6h du matin. On s'est réveillé à 9h20 du matin, tout le matin. 9h20 du matin, on est allé prendre le petit-déj. Ensuite, on est allé à la piscine. Enfin, on est rentré changer, on est allé à la piscine. Moi, je suis restée 5 minutes à la piscine. Après, je suis allée dans la chambre. J'ai dormi de 11h à 17h30, 18h. Et après, Basma, elle m'a rejoint pendant que je dormais vers 13h et elle s'est réveillée vers 19h30. Et on est sorti vers 20h30, je crois, par là. On s'est baladé dans la rue, on a mangé et voilà, là on est posé. Et il pleut de malade, attendez. Il pleut de fou, ça s'arrête, ça recommence, ça s'arrête, ça recommence, c'est une idée. Mais la journée, il fait beau, donc ça va. Je suis un peu fatiguée, excusez-moi, et puis j'ai 30 ans en fait, je ne peux pas me rappeler de tout. Je commence à être sénile. Non, en vrai, je suis désolée, je vous l'ai déjà raconté, c'est une dinguerie de se répéter comme ça, je suis navrée. Là-bas, il y a le crabe croustillant, je pète un câble, j'ai trop envie de manger un pâté de crabe, je n'ai pas compris. Hein. Crabe croustillant, avec Monsieur Crabe, peut-être, je sais pas. Peut-être si j'y vais, il est là.